ça n'a pas trop l'air d'un cratère, hein? On va aller voir deux anomalies très étranges tout près du cratère Kepler. On va s'avancer. Je vais mettre deux cercles en l'entour des deux objets ou endroits que je veux que vous voyez. Un à gauche ici et l'autre à droite là. On va le voir en inversion aussi. On va le voir de plus près. Merci à notre vidéo. Va suivre les amis. Merci. Bonne journée et merci pour le support. Fascinant. Surtout le seul à droite. Parce que on voit, comment je peux dire, comme s'il y aurait coulé quelque chose sur la surface en ligne droite. Et sur cette ligne droite-là, on va le voir en inversion ici, ils auraient commencé à établir des structurations au-dessus, comme n'importe quelle ville qu'on ferait ici sur la Terre. Ici en inversion, on le voit quand même assez bien et on va voir les deux à gauche, mais là, je te parle aussi surtout de celle à droite, qu'on voit une ligne droite, tout droite devant nous, de gauche à droite, et là-dessus, des branches avec d'autres structurations par-dessus. Ça fait qu'on voit plus qu'une étape de construction. Quand est-ce que ça a été fait? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on le voit là. Mais, oui, une preuve que la construction sur la surface n'est vraiment pas si dure que ça à voir. Et en revirant la Lune de bord aussi, des fois, on voit une autre perspective, un autre angle, hein, pour être capable de détecter mieux la surface ou les structures. Des fois, en la regardant sur un autre angle, ça l'aide pas mal plus. Un grand merci à tout le monde pour le support.